chirurgie, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois des chirurgies esthétiques, donc c'est des femmes qui ont eu droit à des implants mammaires, une augmentation mammaire ou tout simplement thérapeutique, dans le cas de la cancéro notamment. Et quand vous regardez les études, il n'y en a malheureusement pas beaucoup. Et le peu qu'on a, les résultats sont assez variés. Mais en gros, c'est vrai que ça multiplie quand même par 3, grosso modo, le risque d'échec d'allaitement. Alors après, ça dépend ce qu'on entend par échec. Quand vous demandez la femme, elle dit bah oui, j'ai pas réussi mon allaitement parce qu'elle n'a pas produit assez de lait ou que son enfant n'a pas pris assez de poids et du coup elle a arrêté l'allaitement ou elle a fait un allaitement mixte, mais pour elle c'était un échec. Et quand vous demandez au chirurgien, il dit bah non, il y a du lait qui est sorti, en gros c'est bon, mais que peu importe un peu le résultat, si c'est mixte ou pas, pour lui il y a eu du lait qui est sorti du mamelon, donc ça a réussi. Donc c'est vrai que ça dépend un peu ce qu'on entend derrière le mot échec. Toujours utile qu'en général, c'est vrai que ces femmes ont une diminution de la production de lait et on verra que c'est influencé par différents facteurs liés à la chirurgie et à l'opération qu'elles ont eue. Donc soit il y a différents stades, soit on a une lésion directe de la glande mammaire, c'est par exemple dans le cas des réductions mammaires, des femmes à qui on retire carrément du tissu mammaire et du coup là on comprend qu'il y a une baisse de la production de lait. Soit il y a carrément une section des canaux lactifères, ce qui fait que là pour le coup le lait est produit, mais il a du mal à s'écouler. Donc c'est souvent des femmes qui ont une belle montée de lait. Vous voyez les seins bien tendus, mais le lait, il n'arrive pas aussi bien à sortir. Et c'est parfois très douloureux et ça peut entraîner un arrêt, voire en tout cas une diminution de leur allaitement. Alors, c'est toute la difficulté, c'est qu'en fonction des études, en fonction du moment où vous interrogez les femmes par rapport au moment où elles ont eu leur intervention, le temps parfois fait bien les choses. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui ont été opérées, qui ont ensuite enceinte, elles allaitent leur bébé peu de temps après avoir eu l'intervention. Et là, c'est un échec complet. Mais vous les réinterrogez au cours d'un deuxième allaitement, donc plus longtemps après, et bien là, étonnamment, l'allaitement marche bien. Parce qu'avec le temps, parfois, on peut avoir une reconstruction un petit peu au niveau de la glande mammaire. Et du coup, un premier allaitement raté ne veut pas dire un deuxième allaitement raté, alors qu'entre les deux, il n'y a pas eu vraiment de différence en termes de chirurgie. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'échec du point de vue allaitement? Alors on s'est rendu compte que les femmes qui avaient une incision périaréolaire, donc incision juste autour du mamelon, ben, évidemment ça se comprend, là il y a souvent un peu plus de lésions, contrairement aux femmes qui ont vraiment une incision beaucoup plus éloignée, sous l'aisselle ou sous le sein, où là du coup on passe vraiment derrière la glande mammaire, juste entre la glande mammaire et les muscles, et du coup là on a un peu moins de risque de léser en tout cas la glande mammaire et les canaux qui abouchent vers le mamelon. Éviter les incisions inférieures externes le long du gricostal pour l'insertion du matériel, afin de ne pas léser les rameaux perforants des 5e et 6e intercostaux. Je ne suis pas chirurgienne, mais ceux qui le sont comprendront. Pareil, ça, du coup, c'est à éviter pour éviter les échecs d'allaitement. Et vous avez évidemment les implants qui peuvent comprimer la glande mammaire, surtout s'il est très très volumineux, et former une coque fibreuse autour de l'implant. Et du coup, pareil, ça entraîne un défaut de production de lait et un défaut d'évacuation du lait. Il y avait une étude qui a été publiée en 2003 où 64% des mères porteuses d'implants avaient une sécrétion lactée insuffisante contre 7% des mères du groupe des témoins, particulièrement lorsque l'implant avait été posé, on a vu, en périaréolaire, donc on comprend bien qu'il y avait eu des lésions à ce niveau-là. Alors en bilan, si jamais la femme vous le dit, et j'espère qu'elle le dise au moment de l'interrogatoire pendant la grossesse, qu'elle s'est fait opérer, peu importe le type de chirurgie, demandez le compte-rendu opérateur, parce que ça va déjà, comme on avait vu avant, vous donner une petite idée un petit peu de est-ce que ça aura des répercussions sur l'allaitement ou pas. Surtout ne pas la décourager, surtout ne pas lui dire ça ne va pas marcher, n'essayez même pas, on ne sait jamais, ça peut toujours marcher. Surtout si l'opération, on l'a vu, et remonte à ses 16-17 ans et qu'elle en a 35-40, ça peut tout à fait marcher. Et vraiment suivre la situation de près, et encore une fois, ce n'est pas parce qu'un allaitement n'a pas marché pour son premier que ça ne marchera pas pour son deuxième.